Salut, on a eu un problème de record et on a perdu 20 minutes de la vidéo la dernière fois. 10, 15, 10 minutes, je dirais à peu près. J'ai bien le seum. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, bah, on va résumer rapidement. Vous avez loupé pas grand-chose. De toute façon, vous pouvez toujours voir, mais ce sera freeze de ouf. Attends, je regarde tout le temps le record. On a récupéré 3 fragments. On a récupéré 3 fragments d'orbes et on avait un morceau de viande et on l'a foutu dans le puits. Et avec ce puits, on a récupéré une espèce d'os couvert de mucus. Donc, je pense que mucus, quand ils veulent dire mucus, ça doit servir de lubrifiant ou un truc comme ça. Ou mucus, ça pompe à feu le mucus ou un truc comme ça, je sais pas. En tout cas, on verra. Ça fout le seum comme d'avoir loupé du truc, mais normalement, vous avez pas trop loupé grand chose. Ouais, 15 August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Quoi? Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry! Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come! Please, I didn't do anything! Ah mais en fait non, il disait que c'était des criminels mais... Donc, de ce que j'ai compris en fait, bah, c'était un gros manipulateur plus que ce que je pensais. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Ok. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Il faut récupérer les derniers fragments d'orbe. Sure. On dit cœur ou sure? Non, je pense qu'on dit cœur. Mais c'est juste. Ouais, je pense qu'on dit cœur. Là, j'ai le seum comme que. Ça a loupé environ, je crois, 6-7 minutes. Sauf que ce qui me fait chier, c'est que je dois. Ce qui me fait chier c'est que je vais devoir foutre ça sur un logiciel de montage. Et le problème avec quand tu fous une vidéo de 1 heure sur un logiciel de montage, c'est que ça va durer des milliers d'années. Parce que je vais vouloir mettre les deux vidéos en même temps. C'est que ça dure des milliers d'années et ça me fout bien ça. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have immense, happened. Cette it is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Oh non. Non, non, il y a un monstre. Ah putain, je l'entends en plus. J'entends c'est quick, quick, quick. Donc on a un monstre. Ok. On a la sono, on a les projo, on a les sono, on a les projo, on a les sono. Et on a un foutu monstre. Et donc là c'est une course contre la montre là. On va se diriger par là.
Il y a une porte. Fais gaffe parce que je suis pas sûr qu'on puisse échapper aux monstres de métal en fait. Parce que je pense qu'ils courent plus vite que nous. Et s'ils commencent à nous voir, on est dans la merde. Enfin, the wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Ça doit être sympa, ça, de se faire... Bon, du coup, morceau d'orbe, déjà, est-ce que... Il y en a un, mais déjà, flashback. Il entache l'extrémité des membres du meurtrier au rayon de la rue. Il est consciemment fait tourner à la roue lentement pour que la corde attachée autour de sa jambe s'étire et lui fende l'os. Il n'y a plus la force de crier, les deux hommes se regardèrent, saisirent le marteau et frappèrent la victime dans la poitrine au cours d'un ultime acte de pitié. Merde. Bon, déjà, morceau d'orbe. Oh, il est sombre le morceau d'orbe. Longtemps, tout se déroule comme sur des roulettes. J'ai juste peur de croiser un monstre. Je regarde que ça a toujours pas freeze. C'est bon. Maintenant, je suis stressé par le freeze. La putain de ta mère, la putain de ta mère. Comment je fais pour traverser ça? Oh yes. Ah, il peut pas traverser ça, le monstre. Ça, est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux remonter? Ouais, je peux. Ah, mais du. Ok, il y a une autre salle de torture là. Il en restera plus qu'une. Oui, il y a ça. Si ça se soupe, il devrait pouvoir s'ébrancher. Oh oh! Ah, je connais ça aussi! C'est quand ils foutent le feu et du coup ça fait le bruit d'une vache! Les gens qui crient à l'intérieur, ça fait le bruit d'une vache! Lorsque la chair du feu commençait à lui brûler la peau, il retire la chair qui avait que sa tombe était scellée. Ses cris perçants de la douleur faisaient écho à l'intérieur de la chambre en laiton se divisait à travers l'instrument complexe qui était la tête du taureau. À l'intérieur, les hommes pouvaient entendre, à l'extérieur, les hommes pouvaient entendre le taureau de bronze bramer. Traumatized by the water. Ah non, j'allais dire ils sont sombres, mais non, c'est juste lui, ils étaient très clairs, lui est sombre et lui était plus clair. Très bien, très bien. Donc pour l'instant, il nous manque un seul. Mais là, là, ça va être complexe. Là, je le sens. J'utilise mes yeux perçants pour faire attention à l'arrivée d'un monstre. Ah, il est là, je le vois. Ah merde! Fuck! Ah la putain de ta mère! Attention, esquive! J'espère qu'il court pas plus vite que moi. Je pense que si, je pense que c'est la fin. C'est la fin d'haricot, ça frise, c'est normal, ça fait pareil pour moi. Je pense que c'est la fin d'haricot. Ouais, il court plus vite que moi, je suis presque sûr. Par contre, ça me stresse, hein. La putain de ta mère! Ah, mais je prends des trajectoires plus courtes. Ah! Bon, je vais prendre un coup, j'ai moi. Oh, il m'a one shot le bâtard. Bon. Ah, on peut se cacher?
Parce que moi j'ai toujours mes trois trucs. Parce que après ça je sais faire. Très bien, on est où là? Merde, je suis con. En tout cas, maintenant on sait pas où aller, mais en tout cas on sait où est-ce qu'il, on sait ce qu'il faut faire. Cachez-vous et patientez. J'avoue, j'ai trop le seum de le mettre sur un logiciel de montage, ça va durer 10 000 ans. Pff, ça me fatigue. Il y aura 1000 monstres quand je vais sortir. Ils vont le faire spawner juste en face. Au moins j'ai l'accès rapide. Ça je connaissais. Ah c'est pas le. Ça se referme sur lui-même. Il y a les... Ah, putain de ta mère. Putain. Putain. Une faible lumière avait réussi à rentrer à l'intérieur. Des milliers de pics pointés vers lui, scintillant alors qu'il attendait son tour se glisser juste pour un instant. Ce genou s'était ouvert et il sentait le sang couler le long de sa jambe. Sa douleur, sa tête est légèrement tombée en avant. Il a fallu le temps pour réaliser que son œil avait été dégagé. Ah! Ferme ça, s'il te plaît. Ah! Elle la met d'où là? Ah non, du Landon. Landon. Bon, il one shot le bâtard de en métal. Maintenant, on sait qu'il faut taper un sprint. Quoi qu'il arrive, on court plus vite que lui. Enfin, non, on court pas plus vite que lui, mais encore longtemps plus vite que lui. Quoi. Il court pas plus vite que nous, donc on peut se le faire. Enfin. Bon, de toute façon, c'est fini. On a récupéré l'espèce de couille, couille bleue. Une autre parade de la mélange fait avec trois ingrédients. Le pédicelle de Bruce. Ah merde, mais du coup on a. Attends. J. Note. Dragon spécimen, on a trouvé ça. Comme d'insulte, les sources vitales peuvent extraire du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. J'ai juste besoin de grandes quantités pour les 17 points. Ah, mais on, déjà, on va aller voir Agrippa. Qui va nous en, peut-être nous en dire plus. Regarde si ça frise pas. Ça frise un peu, hein. C'est bizarre. Pourquoi ça fait ça maintenant? Pas normal ça. Si? On va aller voir Agrippa et Incredible. You found Vile's recipe. Then there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Alors, Agrippa, l'homme mourant, veut une tonique spécifique conçue pour le sauver. Mais je vais comment. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you.
But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vire's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Je veux bien, mais je sais pas où ils sont. Hein. On a la glande de poison. Ça, on l'a. Ensuite, il nous parle. Ensuite, il nous parle d'essence vitale du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. Où est-ce qu'on avait, vu des endroits où il y avait de grandes quantités de sang? Je sais pas souvenir. Hey, le tempeur, je ne crois pas qu'il existe en ce monde le simple fait d'écrire les mots avec les lettres sans le faux. Je crois que c'est une propriété, la sécrétion de quelqu'un qui vit dans l'eau. Il y a un truc avec le puits. Mais comment faire? Que faire? Oh, t'arrêtes? I see you have all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vire's tonic before attempting. Mais je sais, je veux t'aider. Tu es très sympa. Le truc, c'est que je sais pas comment faire. C'est. Il y a trop d'ingrédients en fait, c'est ça le problème. Il y en a 600 000. Putain, j'ai pas vu ça. 600 000 des ingrédients, c'est trop chiant. J'en ai un, il en manque deux, je sais même pas s'il y en a un, il existe vraiment. Je sais pas comment faire. Hein. Alors, en fait, j'ai envie d'aller direct sur. J'ai envie direct d'aller sur, des solus pour avoir les trucs parce que j'ai envie de le sauver. Mais j'ai la flemme. Mais alors, mais une flemme mais transcendante. Parce que je l'aime bien, hein, mais la flemme de retourner là-dedans. Hein. Parce que... Ah merde. Ah, attends, mais je suis arrêté. La flemme de... Il y a un gros gros monstre là-bas. C'est... Bon là je suis littéralement en train de... Je suis sur internet, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est trop long. Alors il nous parle de trucs... Vital, les mixtiles que vous avez sécrétés, les blends of mammals during time of great stress, such as torture, Alexander was. Je suis con, je suis en train de lire le Wikipédia alors. Temper is a saliva of current, the water creature in the Capitan current, the solar shield, and the citadel. So carried, you must go to the room adjacent to Riga Pachamber, climb up the wooden stairs, and find a hunch of meat after that. Ah, donc on a ça, on l'a en fait le. Le temper, on l'a. Ok. Oh, je suis très très fort, hein, putain. Oulala. Ça, en fait, le genre de regarder, on avait tout. J'aurais même pas su que ça, il fallait l'avoir. Ok, et j'aurais même pas su qu'il fallait se mettre ça avec ça, on aurait mis 3 000 ans, j'aurais jamais réussi.
Mais en tout cas maintenant on sait. Et on n'a pas passé 10 000 ans, ouais. Ça va, ça a pris 10 secondes, ne faites pas chier. En vrai, j'ai trop la flemme de le mettre, ce truc, je crois que je vais le mettre dans le titre. Non, c'est bon, toi, déjà dit. J'avais envie de faire un petit. Et dans le transept, il faut aller dans le truc où il s'est fait couper en deux. Et ensuite, tu vas récupérer du sang avec la fiole et genre tu vas faire tomber le truc dedans. Et par contre, j'espère qu'il va nous expliquer comment... comment faire pour le mélange. Par contre, hop, ça c'est fait. Mais du coup maintenant on sait ce que c'est une créature, le truc sous l'eau, on sait que c'est une créature sous-marine. Ah merde. Hop. Plouf. Il manquait quoi? Tu veux te déménager? Pourquoi on ferme ça? Elle est remplie de sang. Oh. C'est stylé la musique en vrai. Il y a des soundtracks qui sont stylés dans le jeu. Ouais, les jeux d'horreur c'est bien, mais par contre genre quand c'est trop long ça te fout un seum. T'as plus envie d'y jouer, t'as juste envie d'arrêter. Ça te fout un seum terrible en fait. C'est très très chiant. On va aller voir pour nous expliquer comment il va faire le mélange. Okay. Il s'en bat les couilles. Voilà, est-ce qu'il parle d'un moment où il faut le faire, un sentiment le plus désespéré. Ok. Si j'arrive à trouver la glande interne d'un grand spécimen, comme depuis les sciences pédalins, parce qu'il existe dans ce monde, le simple fait d'écrire le mot avec sa lettre semble faux. Je crois que c'est une propriété de la sécrétion de Karen qui est vue dans l'eau. C'est où cette table? La substance doit d'abord être purifiée. Comment ça purifier? But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vaya's target before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save it. Ah, attends, il faut. Please, my fate is in your hands. Et qui nous demande d'accéder au laboratoire. Je l'ai sur internet, j'en ai rien à foutre. En fait, fermez-la. C'est moi le maître, c'est moi qui fais les vidéos. C'est moi qui décide en fait. I know I have no right to ask anything of you. Il faut être capturé dans le cœur. Faut retourner dans le cœur. What the fuck? Je comprends pas là. En fait, il nous explique qu'il faut un tremblement de fou, qu'on soit capturé. Mais capturé, c'est ça capturé? Genre, c'est qu'on était là et qu'il y a un mec qui nous avait zabé. Faut retourner dans le cœur et en gros il faut échapper à un truc. Il fait
super chaud, j'en peux plus, je meurs. Ah mais peut-être que si j'ouvrais ma porte... Vent de fraîcheur. Ok, donc il m'explique qu'il faut que j'échappe à je ne sais quoi. Faut que je me fasse capturer. Faut juste que je fasse gaffe où je... N'importe quel endroit où je vais. Il est là-bas, le fils de pute. Il a pas l'air de m'avoir vu. Capturer, qu'est-ce que ça veut dire capturer? Alors capturer est une console dans le cœur, ouais, cancel ça veut dire cœur. Pour moi, cancel ça veut dire tout. On va retourner dans les salles un peu Z-Range et Mystique. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir l'intérieur de cette merde? What the fuck is that? J'ai l'impression qu'on doit faire tous les trucs de torture, on doit les reproduire dans le cœur en fait. Si tu veux bro, mais je vois pas ce qu'il faut faire. Ah, il y a des tuyaux, j'ai pas vu. On va d'abord faire l'étape de là-bas. Si on a une. Si on a une déjà. Non mais vraiment, si j'avais pas le wiki, comment je ferais? Genre vraiment, je serais perdu. Ça serait... Putain, le nuage, il m'a fait trop peur ce bâtard. Ah la putain de ta mère. Cours, 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 cours. Il va dépop. Non, il va pas dépop, je sais pas. En tout cas, il va arrêter de me follow ce bâtard. La merde ou... Je peux pas le passer là. Là peut-être comme ça. Bâtard de leur mort là. Ah mais non, il y a ça. Il faut faire étape par étape. S'il est encore là le bouc. Mes yeux percent avec un flot persistant. Le bouc est absent. La putain de ta mère, il est juste là.
Il s'éloigne. Hey, t'es où la première sœur? Donc là, ça rentrait là. T'as dit le faire dans l'ordre. On va suivre ces tuyaux. Tuyaux. Et on va rentrer par là. On sait qu'on peut le baiser facilement. Dès que je l'entends, tu te caches derrière un truc. Je pense qu'il y a une étape à faire là. Mais ce serait laquelle? S'il n'y aurait pas un truc à mettre dedans qui permettrait. Ça baisse les yeux leur effet de merde là quand tu stresses. Faudrait que je me bute dedans. Ça me semble plausible. Je mets un os. Je vais mettre un nonos. We never know. Ça fait quelque chose. Ça marche encore une fois ou c'est... C'est bon, hein. Ça voudrait peut-être dire qu'on a réussi. Et du coup, le last on aurait peut-être réussi. Là, je me suis fait baiser ma mère. Le dernier coup. Pas à quoi il sert. Quand le mont, ça risque qu'il soit toujours là. Marche doucement. En espérant qu'il se soit éloigné de l'endroit où il était. Moi, je l'emmène dans un cul-de-sac, je suis un gros débile. De bruit. Was un Vesa. Sur ça, moi je l'ai sorti. On peut utiliser quelque chose, on peut utiliser les objets sur cette main. Ok, bon. Ça m'aide beaucoup, dis donc, on ne serait pas encore une fois bloqué complet sur un truc où on ne sait absolument pas quoi faire. Mais si, qu'est-ce qu'on va faire quand on est bloqué? Super Solus. Je suis un connard quand même, parce que j'en ai marre en fait. En fait, ça me fatigue, il y a des énigmes, mais je sais pas quoi faire.
Scan will be completed if you capture it. Your capturing the console and this capturing item does not currently have gathered all 6 orb pieces. Upon your subjection and cut from cell and flight from the shadow. Pourquoi flight from the shadow? Ah d'accord. Ça commence à me fatiguer grave, mais vraiment. Il y a trop d'énigmes et je suis con. Et ça m'énerve en fait, je ne sais pas quoi faire. Ça me fatigue, je suis fatigué. En fait, il faut qu'il y ait l'espèce de... qui est genre une, bah, une espèce de gluant bizarre là partout sur les murs. Faut qu'on échappe à ça. Mais what the fuck en fait. Sérieusement la tête en fait à la fin. Non mais les tubes je pense que ça servait à rien. Je pense que c'était juste pour savoir où est-ce qu'étaient les sables. Oh toi. Je t'ai fait. Bah qu'est-ce que tu fous là? Mais je l'ai pas vu lui. Il s'y était pas avant. Pas, hein. Non non ils y étaient pas hein. J'ai pas le souvenir de les avoir vus. Si ça ne serait pas déclenché. Attends. Est-ce que du coup justement faudrait pas que je revienne parce qu'il y a une espèce de truc rouge. Ça frise un peu sur le jeu. On va retourner dans la nef. Et on va voir. S'il n'y aurait pas un script qui se serait lancé suite à ça. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything. Aïe. But if you could find it in your heart to get. Il refuse de le manger. As the ingredients for Vias tongue before. Attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save it. Please. Là, c'est du gameplay, mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire, ça me fatigue. J'en peux plus. Alors, à la place d'aller dans le Wikipédia, on va aller voir. Je meurs là ou c'est comment là? Ah, je me sens.
Alors, bon, qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce que je suis en train de regarder le truc là sur... Tic, les gendarmes. On va changer un petit... Attends. Vous retrouvez la mélodie en plus. Ah, un mot de bébé sur le puissel dans la pièce de gauche, puis... Attendez la coupe. C'est la porte qui est entrée dans le laboratoire à droite. Attends. Il y aurait un script qui se serait lancé que j'aurais pas vu. Serais-je monstrueusement con? Bah, si on dit le couloir a bien changé. Effectivement, il y a eu des corps que j'ai pas vu avant. Je suis presque sûr qu'ils y étaient pas. Même après le script. Même après le script où je tue quelqu'un et qui avec la trace verte, j'ai pas le souvenir d'avoir fait ça. Ah voilà, il n'y avait pas de corps. Attends, je rentre dedans. Ça me posait beaucoup de problèmes. En pensant à la porte, vous êtes projeté dans un souvenir. Attends. Allez avancer vers la maison au loin en écoutant le récit pour mettre fin à la scène et revenir près du puits. Sortez et traversez le couloir pour retrouver dans la première pièce de la nef que vous avez visitée en sortant des égouts. Les lieux ont bien changé. Ramassez la boîte d'amono sur le puits, c'est dans la pièce de gauche. Puis prenez la dernière porte disponible. Traversez le couloir en faisant attention au tissu organique sur le sol. Puis descendez les marches dans la dernière. What the fucking fuck, je comprends rien. On fait des retours depuis 40 minutes là, on n'a pas avancé. Le début, early game était incroyable, mais là on se fait chier. Attends, du coup, est-ce que ça va refaire le même script? Je rentre, je fais what the fuck. Incroyable. Pas de lancement. Là, je fais what the fuck. Je passe derrière, j'appuie. Tchac tchac tchic tchac tchouk. Toujours rien. Je vais là-bas. Je me retourne, toujours rien. Ah, autre... Alors en tout cas je crois qu'ils ont c'est retourné à la première salle quand t'arrives à la nef. Donc la première salle c'est là où il y avait les 4 portes. Mais c'est un peu long quand même. Un petit bruit quand je suis rentré dans la salle, je me suis un peu pissé dessus. Ça frise toujours pas. Parfait. Hey gueule. Tu en plus il va falloir retourner dans le cœur juste après. Hein. Ça va être horrible. Là 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 clairement on va se faire chier. Donc je crois que je vais les mettre ensemble les vidéos. Je vais pas mettre une vidéo d'une heure, c'est pas suffisant, c'est pas suffisamment long. En plus, il n'y a pas eu de conclusion, il n'y a pas eu de au revoir ou truc comme ça. Je crois que j'ai softlock le jeu en fait. Je crois que je viens de softlock le jeu. En fait, je crois. Quand je suis mort dans ce puits, on m'a foutu là-dedans alors que j'aurais jamais dû y aller. En fait, j'aurais jamais dû être là-dedans et ça m'a mis direct là-dedans et je crois que j'ai softlock le jeu. Et ben, je suis baisé en fait. Serait quand même cocasse. Si il y a un
le chat. Non, même pas. Je cherchais une ligne de code pour lancer un script, peut-être, pour débugger. Un petit 2. Non, même pas. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de console de développeur. Je crois que j'ai baisé le jeu. Je crois que c'est fini, les amis. I see you have all the odd pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find... Je crois que c'est mort. I see you have all the odd pieces you need. Je crois que c'est littéralement mort. Ta gueule. I see you have all the odd pieces you need. Vraiment, vous m'excuserez du fait que je ne vais pas bouger beaucoup. Regardez une vidéo. Hein. Oula, 15 minutes. Non, non, on va. Ferme là. Chercher le sang, je crois là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là il a trouvé la note de Agrippa, guide veilleur. Le fait qu'il est retourné en arrière. Si j'arrive à avancer sur la putain de vidéo là. Ça pète un câble, jeu de merde là. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est dans un endroit que je connais pas. Attends, je serais pas complètement con. Je crois qu'il faut retourner. Attends. Le mec dans la vidéo, il est allé dans le presbytère, il s'est fait one shot par genre une dizaine de monstres. Genre, ils sont. Il y avait une dizaine de monstres.
la putain de sa mère. Oh putain. Ils étaient pas si proches les monstres, ils étaient plus loin. Putain. Oula oula. Elle passe à tous les coups qui sont là, et de faire la lecture par une espèce d'entraîne en qui se mue encore comme cher Azad, et aussi longtemps que le bien là. Pardon, petit Ro. Ah, comme une chérie Azad. What the fuck? C'est un garde quoi, genre. You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Oh. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Y'a pas un caillou que je peux lancer là? Y'a eu un bruit mais il s'est rien passé. Est-ce que je serais pas comme un con? En fait, je suis pas fait solde lock là. Ah, attends. Olé. Hein? Ta gueule. Barre de fer. Sur quoi est-ce que je peux utiliser la barre de fer? Mais si, bien sûr que je peux l'utiliser. Lever cette partie du mur. Donc, on peut le faire. Sur... Attends, est-ce que je peux pas le combiner avec d'autres objets? Merde. C'est pas grave. Il y aura peut-être moins de faire le lever dans d'autres parties. Peut-être que j'ai vu un truc. Ah non, c'était là. Pas taper What the fuck?
n'oubliez pas qu'il y a un temps limite. Je vais pas crever cet abcès là. Ça là, cette espèce de couille. Je sais pas quoi faire, hein. Je sais pas quoi faire là. Hein. Mais là, là, ça commence à... Non, en fait, vraiment, je commence à péter un câble du fait que je... Et fait avec le cul, quoi. Genre... Tu peux t'échapper de là. Arrête de te foutre de ma gueule. Oh non, me dis pas que... Je sais plus comment on fait pour rotate les objets. Mais voilà, il y a un temps limite, mais je sais pas quoi faire. Je me suis laissé buter, hein. Bute-moi. Allez là. Voilà, bute-moi, bute-moi. Encore une fois. Allez, bute-moi, bute-moi. Allez là. Eh, bute-moi. Eh, bute-moi. Bute-moi, bute-moi. Tu sais très bien quoi. Rien ne marche. Il y aura peut-être une solution si je crève. Jamais avec cette chasse. Bordel, je fais quoi? Ok, donc tu peux pas mourir blessé par ça.
si on peut pas faire un effet levé sur cette partie du mur. D'accord, j'ai tout essayé là. À part ça, mais je suis pas sûr que ce soit de base. Voilà, il est complètement bloqué dans le truc. Quoi faire ça? C'est un délire. Allez là, blesse-moi encore. Fais-moi crever là. Fais-moi crever là. Comment je fais pour encore vivre avec ça? Voilà, voilà, frappe-moi, frappe-moi. Pleine conscience. Bah, t'as pleine conscience, t'es censé mourir, non? C'est parce que j'ai foutu le jeu en mode facile et du coup je meurs pas. Là, clairement, on vient de passer, je crois, 20 minutes à tourner en rond là. C'est véridique ce qui est en train de se passer. C'est absolument véridique. Et on met Escampo, putain, mais Escape Prison Cell, voilà, pas Escampo. Prison Escampette. Non, quitte pas la vidéo. Vraiment, c'est le pire épisode qu'on ait jamais tourné de toute notre vie. Le mec est dans la prison. Tu veux un truc qu'on n'a pas testé, c'est ça. Où est-ce qu'il est? Mais c'est pas un wall through, dis que ta mère. Le mec aussi, il utilise tous les foutus items sur tous les... Et je meurs un jour. Je vais tourner là, hein. Peut-être qu'un jour ça va marcher. Hein. Ça va lever ma caméra en haut.
vraiment ça me fatigue. Hein? Comment il a réussi à sortir ce bâtard? Ça peut absolument pas être ça. Mais c'est du foutage de gueule. Fallait glitcher à travers le trou. Chose à dire, j'écris seulement pour me chercher dans penser seulement ces derniers jours. Si je suis changé, je m'en dirai, le temps passe sans effort. J'ai commencé à me bêtir à présent. Lorsque je suis arrivé ici pour la première fois, je me suis senti comme si on m'avait intégré à la terre d'un tombeau. Maintenant, je sens que la proximité de ces murs me conforte. Tant que je suis ici, il n'y a pas de douleur, les murs me protègent de l'extérieur. J'ai même ri un peu plus tôt lorsqu'un de mes gardiens a laissé tomber une clé sur les tuyaux. J'ai eu l'espoir pendant une seconde en pensant que je pouvais m'échapper sinon je pouvais l'atteindre ici. Dans mes rêves, Alexandre, je suis roi. Dans mes rêves, je suis bien meilleur que toi. J'échappe à tes pieds, je reviens avec tout le chevet du royaume, armé de pistolets de sable dans mes rêves. Tu veux pas arrêter d'être terrorisé s'il te plaît? Alors avec un peu de lumière ou tu progresses un truc? Ça, est-ce qu'on peut l'utiliser? Putain, mais là il terrorisait ce connard. Il y a un strobe. Là je commence à avoir vraiment peur en fait. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a, en fait, qui a cassé ça en fait. Qui a détruit les barreaux. En fait la question elle est là en fait. Qui a détruit ces foutus barreaux? Par contre vraiment le moyen de s'échapper de la prison mérite un 0 sur 20 en fait. Ça c'est... Je sais pas ce que je vais récupérer. Hein. Pseudo ramassé. Une clé pour ouvrir la porte maintenant vers la hors zone. Très bien, très bien. Ah, hop, ça je prends volontiers. Une clé, il parlait d'une clé qui tapait contre le tuyau. Donc, ça jusqu'à ce qu'on trouve un tuyau où on peut voir une interaction. Cela ne ferait aucun bien. Ah attends. Merde. Non, surtout pas ça.
Je fais n'importe quoi. Je prends les coups de... Oh putain, ça fait mal. Je prends la poudre d'escampette. Droite, gauche, droite, gauche. Lumière. Je suis trop con, j'ai été pris dans le piège le plus simple. Azel, je comprends rien. Il y a des noms, ils sortent de nulle part. Est-ce que du coup je suis calme ou. Il est quelle heure là? Il est déjà 1h50. Je suis fatigué. En vrai que depuis 1h12, on finit le jeu. C'était quoi ça? On est déjà passé par là? Ah non. J'avais l'impression. Ouh! What the fuck? Ok. Ok bro. Qu'est-ce que c'est délire, je suis mort. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement where Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and three children. Par contre, des mondes ouverts, ils savent pas faire. Ils savent faire des intérieurs, mais par contre, dès qu'il suffit de faire un extérieur, c'est dégueulasse. We took the coach, went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the others. Went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Très bien, très bien. Je sais pas qui c'est Zimmerman en fait. Avec quoi? Ah oui, ça a changé. C'est le souk.
Je crois que ça m'a tellement fatigué la cellule que j'ai même plus envie de parler en fait. Mais on m'a dit qu'on finissait le jeu, mais je sais même pas si le jeu est fini bientôt en fait. Quand même, genre il va finir. Il va pas juste durer éternellement. Aïe! Ah ah! Du coup. Purifier le sang. Olé. Pour compléter la notion de Wayer, on va mettre ça. L'impossible d'ajouter des granulants, la substance doit d'abord être purifiée. Ah d'accord, il faut la purifier. La chaleur s'évacue en dehors du compartiment. La glande qui sera pas le poison. Ok, d'accord, logique. Oh là là, il casse les couilles. Wesh. Hop. Cric ou cric. Cric. Oh. Ouais, c'est un pays. J'arrive, j'arrive. Oh bah, t'es tombé. The laboratory might be accessible. Qu'est-ce qui va se passer quand ils veulent boire? J'ai peur un peu de ce qui va se passer. Quickly, off with the head. And then, whatever happens, get me through that gate. Agrippa veut voir sa tête sciée. Comment j'ai fait? You're a good boy, Tyler. And I appreciate your company. But I believe you have more important things. Comment je scie sa tête? You should hurry, Daniel. No time for sitting around. Pas une scie. Des vieux bruits. Ah, ah, ah. Écoute, j'ai la tête avec moi. Il va me guider. Faut aller là-bas ou là-bas? Là-bas, je pense. Ah, il y a la... Attends, là-bas ça va être fermé. On va quand même vérifier une dernière fois, on sait jamais. En plus, il y a du sang, donc on a passé plus longtemps. On n'était pas venu ici en fait, je sais rien. Il y avait quoi là? Je crois que c'était bouché. Oui, c'était bouché. Oui, donc en fait, c'est normal. En fait. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Oula, oula. Il était pensé qu'un homme était bien. C'est quoi cette truc pour une fille? Tirant de l'école, mais il venait de se rendre compte de ce qu'il pouvait faire.
de se dépêcher. La valeur, quelque chose doit être fait avec les cavités. Oh merde, il y a le monstre là-bas. Tant que ça la dépop. Bon, du coup, on va tête. Ah, du coup, j'ai plus rien, presque. Bientôt à 1h29. Attends, on aurait pu faire 3 heures de vidéo. Je m'en fous, je vais la monter. Je vais la mettre ensemble. Ça serait trop gâchis de pas faire une grosse vidéo de 3 heures absolument indigérable. Ce serait du gâchis. Une des filles, si jamais je l'ai pensé jusqu'au bout, est-ce que je l'ai chassé et est-ce que je vais avoir une vie? Combien de vies est-ce que je peux prendre avant d'abandonner les miennes? Oui, je vais tuer un mentir sans mettre un histoire pour me sauver. Ah, voilà pourquoi il pète un câble. En gros, voilà. Il était beau être complètement ravagé de la gueule. Et bah, il a peut-être tué quelqu'un d'innocent. Hein. Et du coup, il pète un câble. Mais comment faire? Stop en fait, c'est ça? Ah, si je les stoppe, un caillou ça devrait suffire, non? On va y aller en haut. Si je fous un caillou dans les mécanismes, ça devrait suffire, non?
ça, on peut passer de là. Non, là-bas. Ça là. Y'a pas d'autre truc. Ça. Shouldn't trust him. Y'a un autre que je peux prendre. C'est insuffisant. Allez. Ouah. Ah. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais contre ce con? Il vient vraiment ou il vient de dépop? Ça, je l'entends. Je crois qu'on va leur faire une feinte. Hein. Je suis trop fort. Voilà. Par contre, sur cette distance, je suis presque sûr qu'il va me baiser. Droit devant, droit devant, droit devant, je suis mort. Je vais mourir sa mère. Je vais mourir sa mère. Que je joue. Pas d'autre levier. Ok. C'est pas juste, je ne suis pas appelé, j'étais manipulé par ce démon, il a jeté ma conscience de coupable, mais m'a dupé en me laissant frapper seul l'ombre, c'est un peu inconfiant. Est-ce qu'il croit que je vais me foutre de m'arrêter fighté alors que le pouvoir n'est possible d'imaginer. Alexander, je te tuerai, je te ferai 10 ans, on m'avait attrapé. Si seulement le shadow had caught me in London or Algeria. Maintenant j'attends simplement ma mort, je suis bien trop faible pour continuer. Je peux à peine continuer un peu de tenir debout car mes genoux me font défaut et je ne peux rien. Car mes yeux sont inondés de larmes. Je suis tout aussi bon avec les hommes que j'ai torturés. Si je peux me débarrasser de ces peurs, même si je veux que je les fais. Aïe! Oh Satan! C'est bon? J'ai fait le sacrifice humain? Je m'en fous, c'est la fin du jeu. Non.
fallait rester. Faut rester sur l'autre pareil. Je vais pas mettre en même temps, je vais mettre la vidéo d'une heure. Oh, what the fuck, on dirait les trucs dans Half-Life, le premier. It saddens me to see you filled with such hate. Is vengeance really what you seek? I hoped you, of all people, could appreciate the grave. What the fuck? Ah oui, c'est ma convention de photos. All, it's always been your life we were fighting for. Isn't it worth a little sacrifice? Come. Help me finish the ritual. There's still time before the shadow catches up with you. C'est un elfe ou quoi, genre? On dirait le mettre dans Domorowind. Faut que j'empêche le rituel. Des cailloux! Ça m'a... Tout est ok. Comment on fait
Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. Non, non, c'est trop. Ça fue la merde. Ça peut pas être ça. C'est quoi la bonne fin? Ah oui, il y a plusieurs fins. J'ai pas la tête d'Agrippa. Attends. Est-ce que j'aurais troll? Est-ce qu'on pourrait officiellement m'appeler l'homme le plus con du siècle? Oh, est-ce que je suis l'homme le plus con du siècle? J'ai coupé la tête d'Agrippa mais je l'ai pas pris. Est-ce que je suis le plus gros choker de l'univers? Est-ce qu'on peut officiellement m'appeler le gros fils de pute? Non, non, ta gueule. Jeu de merde, là. Pourquoi... Attends. Ok, il y a eu plein de sauvegardes. Autosave à 1h07:15, 2h20:30. Chambre de l'orbe. Nef, ça doit être celle-ci, ok. Non mais attends. Ok. Putain, par contre va falloir les trucs, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Va falloir courir. Ah non, c'est bon. On a déjà couru. La tête d'Agrippa, je l'ai pas vu moi. Je pensais, le mec est pas con, il coupe pas la tête et il la fout par terre. Non, c'est trop. Ah, attends. Et où faut que je le fasse? Putain, chiant. C'est parti, on va le faire rapidement. Tchac. Pendant que ça fait ça, on va mettre ça là. Voilà, et pendant que ça s'est fait, on va mettre ça là. Hop. Speedrun. Atterrit la tête pour que je ne la vois pas. Putain de merde. Donc là on a la tête d'Agrippa, la tête tranchée d'Agrippa.
Aïe. Ça, on en a assez. Fermer la porte en fait, faut que le mec passe, tu fasses ching chong ching et puis tu fermes la porte rien que à la salle des machines. Donc c'est Ivar. Donc là il y a un monstre. Vas-y, éloigne-toi. Rentre dans la salle des machines. Ça devrait être bon. Putain de jeu quand même. En vrai j'aimerais bien essayer de le speedrun. Je crois qu'il se fait en 30 minutes. C'est un peu long quand même, 30 minutes de speedrun. Parce que bon, après il y a des speedruns qui sont beaucoup plus longs, mais dans ce cas là il est quand même un peu, je vais direct fermer la porte derrière lui. J'ai pas fermé la porte comme un con. Ah si, c'est bon. Yes, on a de la marche. Dormir. Sur deux puis retourner sur le pédestal, sur le pendrac. Je pense pas que tu puisses mourir avec le sacrifice. Ça, c'est fait. C'est là. D'accord. Alors on va quand même prendre. Et on en prend un parce que sinon c'est pas drôle. On a la tête de motherfucking Agrippa. Moi je pense qu'il y a plusieurs fins mon jeu. Parce que je pense que tu peux casser, mais je pense qu'il faut faire des trucs avant. Et j'ai pas dû faire ça. Donc en gros, si tu faisais pas tout le truc d'Agrippa, t'avais la mauvaise fin. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable.
Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? J'ai confiance en Agrippa. Il est gentil, Agrippa. Il m'a dit des mots. Ah, c'est bon, on attend juste ça. Ça va juste durer 5 ans en fait. Donc là, j'attends. Portail n'est pas encore ouvert. Là t'as juste une ombre passante, donc c'est le moment de parler du fait de cette aventure Amnésia que très peu ont suivi. Et donc qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Je pourrais faire Penumbra, donc les mêmes jeux d'avant. Je pourrais essayer de trouver un autre jeu, un très vieux par contre, c'est Thief. Trop dur à prononcer, en gros voleur en anglais, T-H-I-E-F. Mais la version 1998, la version de 2000, on s'en fout. Parce que c'est très vieux, je pense qu'il va y avoir des problèmes de record en fait, quoique j'en sais rien. Peut-être que c'est un peu chiant en vidéo, mais on pourra faire ça. Sinon on peut faire d'autres jeux d'horreur, hein. Bah, Penumbra, mais il y en a d'autres, hein, jeux d'horreur, il y en a plein. Hein. Ribambelle de jeux d'horreur. Je pense qu'on peut casser ces pylônes. On attend toujours, hein. Juste que le portail s'ouvre. On va faire d'autres jeux, hein. C'est... en tout cas moi j'ai envie de faire, hein, parce qu'on l'a dit, hein, une vidéo par jour, PTDR, jamais dit ça, c'est fou. Do you see it? The world. Oh, isn't it beautiful? I can finally return home. C'est bon, il a rien dit d'autre. Ah, d'accord. Ah mais ça me tue quand même la good ending. En vrai je me suis vengé. J'ai bien pu la tête garée pas. C'est parce que je te tue. Je pense qu'il y a beaucoup de fins au jeu. Mais je pense que c'est mort, je peux pas les faire en fait. Je pense que toutes les fins du jeu, je peux pas les faire parce que j'ai. Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated. Hein? Forever. Je me suis. Le trou du cul. En fait. Je suis un fils de pute. Mais en vrai, normalement, vu qu'il y avait des sauvegardes automatiques avec la tête d'Agrippa, ça devrait suffire. En gros, j'ai eu le pire timing, en fait. En gros, j'ai pas mis la tête à temps. J'ai voulu voir s'il y avait une boîte de dialogue et pour voir un truc. Et bah, j'ai trop joué, j'ai fait le malin. Bon, du coup, il doit y avoir des sauvegardes automatiques. Sinon, bon, on remonte ça. Franchement, moi, j'ai tout mon temps. Charger une partie sauvegardée. Hop, ok. Ish. Ah voilà. Donc là on a juste à attendre. Donc, en vrai grâce à ça ma vidéo devrait faire 2 heures. Donc, dès que ça s'ouvre je le mets, j'en ai rien à foutre, y'a pas de cœur. Il est tout beau le cœur, on s'est pas tapé, j'ai jamais vu le cœur comme ça. Donc, par contre j'ai un léger. Bah du coup qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la fin, de... Grande discussion, le fait que je suis entre du cul et que je fais de la merde. J'imagine bien. Si vous avez vu la tête, ça devait être sympa quand même de me dire. C'est un connard. Il a oublié la tête d'Agrippa, ce con.
Du coup, ouais. Après, s'il y a d'autres jeux, hein. Je pourrais faire Lego The Hobbit. Je sais pas ce que ça donnera en commentary. Surtout que, par exemple, là, on, par exemple, la fin, je cible que ça a fait un peu chier en termes de commentary. Hein. Bon, en tout cas, ça m'a saoulé. Hein. On saute plus vite quand on est en. D'habitude, dans les speedruns, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent. Genre, ils marchent en diagonale pour aller plus vite parce que t'as la vitesse de côté et d'avant cumulée. Mais là, ça a pas l'air de le faire. D'ailleurs, même si on va moins vite. Ah! Tout va bien. Allez! Le main stand. Small Dick Energy. On dirait vraiment la fin de Half-Life. De Half-Life premier du nom avec l'espèce de monstre esclavagie qui m'a fait péter plus d'un câble. Enfin pas le boss hein, le monstre. Le bah non, pas le boss, le jeu. Parce que de moment la difficulté est juste insane en mode tu te fais bombarder dans tous les côtés et à la fin tu pètes un câble. En tout cas c'est beau je trouve, je sais pas pourquoi, en fait, justement t'as l'impression d'être avec sur Half-Life, c'est un jeu qui est vieux en fait, mais qui du coup ça donne un charme. Je sais pas pourquoi, Half-Life par exemple j'avais le même sensation, c'est du coup il y avait le même type de charme, même sur des jeux Quake, surtout Quake. Il y avait le même genre de peut-être de... Ça rajoute un truc, des jeux pas moches, enfin si moches, mais qui ont vie. Ah, du coup j'ai eu deux trophées parce que j'avais un trophée là-bas. Bien fêté. Je pense qu'il y a plein de fins et je crois qu'il y avait 11 trophées cachés. Ça voudrait peut-être dire qu'il y a 11 fins différentes. Crève sa caméra. Mais du coup je vais mourir quand même. Ouais. Oh, c'est stylé, j'ai bien fait de refaire. On dirait le menu de PlayStation 2. On s'est vengé. Ah, mais d'accord. There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. C'est genre le paradis un peu. Please, help him. I know you can. Ah mais Veilleur il s'aimait bien, j'ai du mal à comprendre l'histoire. Veilleur c'était... Don't worry Daniel, it will be all right. All right. All right. All right, all right. Il y a un connard qui a pas lancé Conqueror's Blade là, depuis tout à l'heure. Personne, vous voyez pas mais... On va l'appeler Dark. Un nom totalement hasard. Connard. Connard, il continue en plus. Ça fait trois fois il le lance et il a pas compris. Connard, connard, connard. Voilà quand on a tombé sur la bonne fin, on va laisser le. C'est générique. N'empêche, ça a été fastidieux quand même comme jeu. Pour moi, je me suis pas tout le temps amusé. J'aurais préféré. En fait, la différence. Par exemple dans un jeu d'horreur que j'ai fait, Outlast, c'est qu'il n'y avait pas de moment de réflexion comme ça. Et en fait les moments de réflexion c'est pas ouf quand c'est trop chiant. Et là c'était chiant. Il y avait des trucs, par exemple sortir de la cellule, c'était de la chiasse. Il y avait un autre truc par exemple sur le pont. Le pont, fallait jeter un caillou sur la chaîne. Alors, ça a une logique. Parce que moi j'avais pris un caillou pendant la vidéo. Enfin, d'ailleurs, c'est. Bah, de toute façon, si vous regardez la vidéo, au moment je prends un caillou, je le lance sur le pont. Pas sur la chaîne, hein, sur le pont. Je me dis, bah, ça a quand même marché si je le mets sur le pont. Bah, non. Non, ça a pas marché. Du coup, bah, j'ai mis 10 000 ans à chercher avant d'aller sur internet. Et même, il y a des trucs, c'est trop dur, wesh. Faut réfléchir, mais comme un dingo, c'est n'importe quoi. Ça fatigue. Des trucs, peut-être une merde, mais là c'est archi trop. Richard Topping et Daniel Alexander. Ah, du coup, on va savoir c'est qui les personnages. Herbert, l'homme innocent, l'homme dans la morgue, Danzulu et William, c'est Tugs. Je sais pas qui c'est Tugs. Beta testing. Remerciements à nos familles et amis pour leur soutien et leur patience. Leur patience. Et c'est la fin.
C'est un jeu qui m'a beaucoup fatigué. Là par exemple, j'ai vraiment il est 2h40. D'habitude, je suis pas fatigué à ce temps-là, mais là je suis mais mort complet, mais... Oh, DN314, ça fait changer. Ah, c'est-à-dire que les fins, elles sont vraiment différentes. Et voilà. Et voilà. C'est quoi, je suis échappé? N'empêche, le moment qui m'a fait le plus peur dans le jeu, je pense, c'est le truc dans l'eau. C'est vraiment le truc qui m'a fait pisser dessus. Mais c'est fini? Et il est 58, il reste 2 minutes pour la vidéo. Non mais je peux pas quitter sans avoir fait 2 heures de vidéo. C'est un trophée d'avoir fait 2 heures de vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. J'ai le seum quand même que la vidéo s'est stoppée, sinon j'aurais fait 2 heures largement. J'aurais fait 2h30, combien? Non, attends. Si, je crois 2h30. Hein. On va aller sur YouTube, on va marquer. Je vais vous mettre le capture d'écran. Parfait, j'avais peur que ça me mette sur un truc bizarre. On va mettre Amnesia Dark Descent. Oula, je peux écrire Descent Endings. The bad ending, the good ending is a special ending. Bad ending, c'est ce que j'ai fait. C'est quand tu trolls. Ça, c'est quand tu trolls. Good ending, c'est bien fait. Et la special ending. Qu'est-ce qui se passe? Ça charge. Ah, regardez ce que ça donne. Je pense qu'il faut casser les piliers. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Mais le truc c'est que fallait prendre quel objet pour casser les trucs, fallait avoir quoi? Ça, on est complètement con. Hein. Are you so blind? That you see no good in me or evil in Agrippa. En tout cas, on sait un truc, c'est que lui était manipulateur. On a appris 2-3 trucs. What? Oh, mais je sais. Je sais. Oh là 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 là. Ça là. On l'a utilisé dans la cellule. On a tapé un truc qui n'a servi à rien. Et il s'est cassé à ce moment-là. Donc fallait l'avoir gardé. Attends, il les a cassés là? Ah, mais non, on a fait la special ending! Encore. Non, mais ça, c'est la spécial ending ou c'est la good ending? On a fait la spécial ending, c'est mieux en vrai. Je crois avoir fait la spécial ending que ça. Hein. Mais du coup, est-ce qu'on meurt? It was my greatest triumph. Oh, what the fuck? And I never looked back. Mais j'aurais pas pu le faire en fait. Fallait que je retourne à la. Si je veux le faire, ça. Faut retourner vraiment loin. You think I was afraid, fleeing Brandenburg? Quite the contrary. Ah, on repasse par des endroits qu'on a déjà fait ça.
I knew it was my purgatory. Hellfire, made to wash away my sins. Bah ouais, mon pote, t'aimes bien wash away tes sins. Le mec, il est bloqué. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave them that awful man. Il va se faire buter lui quand il va sortir. Did the right thing. Alors le mec a quand même chopé, quand même torturé des gens. Pas remarqué hein, le activer Windows hein, qui fait blaze. D'accord. Bah c'était ça la good ending. Bah cool hein. Bah cool hein. En tout cas, c'était vraiment agréable de faire ça. On s'est bien amusé. Moi je vous souhaite une bonne nuit hein, parce qu'il doit être tard chez vous. La 2 heures de vidéo c'est insane. Vous pouvez voir hein, 2h50 là. Moi je suis fatigué. Je vais mettre en ligne la vidéo de 1 heure qui est là. Alors c'est celle qui est en train d'être faite là, celle-ci. Et celle-ci, ça c'est celle que, qui n'a pas marché. Enfin qui a bugué à la fin. Je la mène comme ça, je la fais. Déjà j'ai fait 2 heures de vidéo, je suis content. Elle faisait combien de temps? Salut! Oh la gueule que j'ai. Ah oui! J'ai quand même fait 3 heures en fait! Pas mal! On a fait un nouveau record en fait. En fait, j'ai joué 3 heures là. Donc, hop. 7 heures. Le mec avait. Je crois que c'était à peu près 8 heures qu'ils avaient prévu. Donc, même si je suis resté bloqué 10 000 ans, j'ai quand même fait moins que ce qu'ils avaient dit. Bon. C'est la fin. Bonne nuit à tous. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite une agréable vie. D'agréable retour sur ma chaîne. Bisous. Oh, il y a un truc pour le lore. J'ai regardé ça plus tard. Et si vous le regardez en jouant aussi. Comme ça, on comprendra. Bisous.